Citoyenne, c'est une initiative qui a été prise par le président de la République de demander à 150 Français tirés au sort de réfléchir à la question suivante. Quelles mesures peut-on prendre pour diminuer d'au moins 40% la production de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans une logique de justice sociale? Le processus que nous avons mis en place avait pour objectif donc de construire ce groupe, de lui transmettre des informations et de l'aider à commencer à travailler ensemble. Commencer à travailler concrètement sur 5 thématiques: se loger, se nourrir, se déplacer, consommer et produire et travailler. C'était une journée en tout cas bien chargée, bien intéressante. Après on est modeste, on se dit qu'à notre niveau, que va-t-on vraiment apporter nous? Je pense que le plus important de notre côté, ce sera sans doute la question de la justice sociale. C'est très intéressant parce qu'on voit des gens de tous horizons qui ont plein de choses à apporter, qui ont leur vécu, leur profession, leur famille. Et on a des échanges très riches avec des idées qu'on échange les uns avec les autres. Il y a des chercheurs, il y a des juristes, il y a des experts, des animateurs, donc tout ce monde-là en fait gravite autour de nous et vont nous aider en fait à changer le monde. J'ai très envie de changer les choses et de faire évoluer, et c'est quand la partie où on va enfin pondre les nouvelles lois ou faire des modifications de lois peut-être pour améliorer l'environnement. Jusqu'à maintenant, on nous présente surtout les méthodes de travail, les missions qui vont relever de notre convention citoyenne. On débat également sur l'organisation, puisque c'est la première fois qu'une convention citoyenne est mise en place. Donc il y a aussi tout à mettre en place sur la démocratie dans nos débats, sur l'écoute, sur le fonctionnement et comment on pourra décliner nos propositions qui seront reprises ensuite par le gouvernement et les différentes assemblées. Un de mes souhaits, c'est de laisser une terre vivable pour mes petits-enfants. Nous avons eu la ministre de l'écologie. Donc nous avons pu lui poser des questions effectivement qui vont, je pense, nous guider pour la suite des événements, pour proposer nos solutions pour le climat et ensuite mettre pourquoi pas sur table les lois ou les décrets qui pourraient être votés. Nous avons été répartis en thèmes. Personnellement, j'ai eu le thème se nourrir et je pense pouvoir apporter effectivement des détails sur comment cultiver, comment cuisiner et essayer tout en faisant tout ça, protéger l'environnement. J'ai apprécié le fait qu'on ait réuni 150 personnes de toute région de la France, même des Outre-mer. On aura vraiment une grande diversité d'idées, de solutions donc à proposer pour améliorer notre quotidien. Très professionnel, très bien organisé. Impressionné aussi de l'intervention du Premier ministre qui est venu faire son discours. On sent un intérêt quand même du gouvernement pour cette convention. J'espère que nous pourrons sortir des propositions intéressantes et surtout qu'elles soient appliquées. C'est un thème qui m'intéresse. Je pense qu'il faut, qu'on se mobilise pour défendre le climat. On voit bien toutes les catastrophes qui arrivent partout en France et dans le monde. Et donc, je pensais que c'était important de donner son avis et de participer à ce type de convention. La première session, c'est plus une prise de contact avec des éléments qui nous ont été donnés sur l'urgence à agir, sur les effets des gaz à effet de serre. Donc ça permet de mieux appréhender un petit peu le sujet.
Et puis à partir de là, on va rentrer plus dans les préconisations, dans ce qu'on souhaite, etc. Je suis satisfaite de ce qui a été fait jusque-là et puis j'attends. Je suis impatiente de passer à une phase plus opérationnelle, dirons-nous.